On est mardi aujourd'hui et comme tous les premiers mardis du mois, je vais au marché. Je dois préparer la réunion de mon association. Des nouvelles femmes sont venues nous rejoindre et je vais leur organiser une réception chaleureuse. Il faut prendre des forces car j'imagine qu'on va encore beaucoup danser. C'est notre manière à nous de nous reconstruire. Durant le génocide, il y a eu 250 000 viols. Les trois quarts des femmes de mon village ont été violées. Et c'est comme ça dans la majorité du pays. Dès l'année suivante, en 1995, j'ai décidé de les aider. Je m'appelle Godelif Mukasarasi et je continue encore aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis capable de faire des choses. Je ne sais pas si je suis capable de faire des choses. Je ne sais pas si je suis capable de faire des choses. Je ne sais pas si je suis capable de baza kumureje hohoterwa kuko icyo gihe hariho genocide yako abanyarwanda bavugaga ngo reka barebe uko nibwo bambwiye bati warangiye ubwo nagiye kwipimisha muri ubwo bampimye muri 2002 barambwira bati waranduye ndabahakanira ntabwo nti mu buzima bwanjye sinigeze mbi ndaye nashatse umugabo umwe dutandukanwa n'urupfu. Abana twabyanye ni babiri umwe apfanye na se mfite undi. Wa kabiri ni uwo mwihohoterwa ndamufite w'umukobwa. Iyo sida nayikuye. Twarindwa iyo mwana nashatse no kuyikuramo njyewe ariko biranga. Njya mbona n'umwana wanjye afite ibibazo nkavuga nti njye wabimuteye. Kuva iyo saha kugeza n'ubu. Mugabo nahise mutinya nahise nanga uretse ko nta mwana nta kwanga bose ngo ni uko ari abagome
J'ai fondé l'association Sevota en décembre 1994 pour aider les veuves et les orphelins qui ont souffert de violences pendant le génocide. Avec Sevota, j'aurais un peu redonné une famille. Kenshi kuba mu ishyirahamwe ubundi mu rugo ku giti cy'umuntu no mu rugo turakora ariko kuba turi hamwe byatumye twumva ko ubuzima bugomba gukomeza umwe yareba undi akabona nta kibazo afite yamubwira ku buzima bw'abandi bantu bagenda bahura kenshi ugasanga natwe uko turi tugatekereza ko ubuzima bwacu bugomba gukomeza bigatuma twumva ko tugomba gukomera mbese mu buzima bwacu uko buhagaze ubwo ra hanini icyo kintu cyo kwishyira hamwe cyo rwose ni ikintu gikomeye kuko cyagumye kudusubiza mu buzima busanzwe n'uwabaga yihebye ku buzima bwe bigatuma abasha kongera kugaruka nyine kuganira turaganira ariko tuganira ibisanzwe nk'aba tudahuje ikibazo tuganira ibisanzwe keretse kubo duhuje ikibazo Au cours de cette année, nous sommes en train d'encadrer une centaine, 106 femmes. Les autres vont faire leur parcours psychologique l'année prochaine. Et parmi ces 100 femmes, 106 femmes, il y en a 40 qui ont été victimes de viol pendant le génocide. Et il y en a une de 10 qui ont eu des enfants nés de viol. Et donc, nous avons utilisé la danse et les chansons pour aider les femmes traumatisées à libérer les expressions négatives et à rentrer à la maison avec des expressions positives. Mais les pensées positives, ça leur permet d'avoir l'esprit sain dans un corps sain, comme dit la Bible. Sevota fut l'étincelle. C'est Sevota qui la première en tant qu'organisation a brisé le silence, a dénoncé le viol. Et les autres femmes, petit à petit, ont compris que ce n'était pas une tare, qu'elle n'était pas marquée au fer rouge, qu'elle pouvait donc aussi parler. Du viol. C'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à comprendre qu'en fait elles avaient été victimes. C'est grâce à Sevota. Je connais Christine depuis maintenant 16 ans. Elle n'a parlé de son viol qu'à moi, même si les gens le savent. C'est difficile de parler de ces choses-là avec vos voisins. Elle a longtemps considéré son fils comme un cadeau empoisonné. Il a fallu qu'elle apprenne à l'accepter. L'amour maternel n'est pas naturel dans ces conditions. Là où il y a eu la haine, il faut doubler l'effort de l'amour. Ubwo bahise rero ntabari bajya kuri bari bamwika bamaze gukora ibyo bakora kubera guhinda umushyitsi n'aho twari kumwe bagenda bafa hirya hino bafata intoki zanjye bakubita mu cyoto cy'umuriro bari bacanye abamfataga sinari mbazi ntabwo mvuka inaha ndaza duhungira ahantu Kabgayi ko sinzi n'isinzi uburyo ki nahageze nibwo nabonye nsamye inda y'uwo mwana ko nta rukundo numvaga n'umwana mukunze namuriyabaga nti wa kintu wantera hamwe we niweho
Abone ibyiza bikurikize ibibi abireke n'uwabikoraga abicike ariko mama nta guciye mu ijambo ubundi giye papa ni ni murye vuba mujye ku ishuri yego karam pariye None se mama, ikintu nashakaga kukubaza. Ubundi papa wanjye ni nde? Rero umwana wanjye kugutoteza no kugutuka, nanjye si ubushake bwanjye. Ni ibibazo biba bibintera. Papa wawe baraba hakurya kuri uwo musozi w'inyoko. None mwana wanjye mbabare nanjye sinjye ubu ngubu ejo tuzajya kumureba. Noneho ubundi nyine mukwereke. À l'origine, j'ai créé ce vota pour soutenir les femmes violées. Mais très vite, j'ai compris que d'autres femmes étaient en détresse. Nadine est un bon exemple. Elle a commencé à se prostituer parce qu'elle était orpheline. Merci, Nadine est un bon exemple. Aujourd'hui, elle est devenue la responsable de ce vota dans la région du Nord. Elle aussi a dépassé sa propre souffrance pour apaiser celle des autres. Ndaya kuva muri 94 nari mfite imyaka 14 nibwo nabyaye. Ntangira ubuzima bw'uburaya ndi hano mu mujyi, ntangira nkazanye ndajya no gukorera mu zindi ntara. Nibyo nakoraga byose ntabwo byanshimishije. Narababaraga cyane umugabo nge sinzi ukuntu umufata
we namufataga niba ari imbwa niba ari ikigoryi gusa nye nakundaga kuganira nabaho natangiye kumenyera ubwenge nkamubaza impamvu azi wanjye ataye umugore we umugabo rero ni umuntu utajya ubona impamvu ngo arega ngo weho ngo ibintu bimeze neza undi akavuga ati mu rugo hari ibibazo wenda abana bameze gutya nibatuma ngira ibyo nibariza giye kugira 18 ariko ntabwo nakubwira ngo hari umugabo wa mubyaye ntabwo afite se ngewe ntwise ntawe nayinzi ko ntwite nabonye gutyo gusa bibaye mbona nabyaye ariko ibyo kuvuga ngo ndatwite nta kintu nabitekerejeho nari ndi umwana bibaho gutyo gusa umwana nta gaciro yigeze ahabwa yewe umwana ahawe gaciro muri 2000 kangahise 2009 aho mwatangire kuzira hano mu Ruhengeri ariko n'ubu ngubu agaciro navuga muha n'ukubera guhurira ahantu turi benshi nkabona hari uko abandi babigenza nangwa nkabyumva no ku maradiyo nanjye nkavuga intereka mfe kugerageza hari ariko sinjya muha agaciro nk'umuntu kandi nawe ntakama tubana nk'abanyamahanga muri iyi nzu ushobora kumva nta n'umwuzundi yuko ibyambayeho byose byabaga ndeba abagabo 5 abagabo 10 umwana ari kubireba nta gaciro yamaga nanjye ntakomuha yuko tuziranye ubuzima cyane kubera ko nta wundi yabona ariko ntabwo yavuga ngo mama ngo iki ni ukuvuga ati dinari hehe he nubwo tujya twicarana akanyibutsa ibya kera ubwo rero nkumva nta gaciro mfite imbere ye nawe kumva nta gaciro mfite yuko ntabanga ategereje wenda nzamuhishurira byose byabereye hanze Yiri mu buraya nta gaciro nari mfite ese sinzi niba imbwa bayizi ukuntu imbwa ihita muri karitsiye bagatera amabuye ubuzima nari ndimo twanyuraga muri karitsiye tugiye gushaka abagabo abana bakadutera amabuye ngo ndazirahise ku buryo hari n'ubwo wumva kudashaka kuva mu mujyi kubera ko ku mugoro utari bubona inzira Sinzaguheza Maria we Umusore yagiye kurambagiza hashira ibijumba mu mufuka ageza mu irembo arakucagura aho umukobwa udatinya yabwiye nyina saniye nkoni dukubita imbeba yatumariye ibijumba bya mugorora Maria we Maria we Maria we Maria mwana wanjye sinzaguheza Maria we Sora yagiye kurambagiza ashira imbuguyu mu mufuka ageza mu irembo aranyereragwa aho akuramirisa haramira imbuguyu Maria we Maria we Maria mwana wanjye sinzaguheza Maria we Mwabakobwa mukiri bato muje mugenda buhoro buhoro nakabagaba badaharara nipo museni yaraharaye kwa yahenzi ingarisize
kirukana pasikaziya gomagara ye ni Maria nyesi imana ni duza duhererane Maria wa Ndakoze ngo mvire mu rugo ndikose za Iyo wagize uburakari bwo kubita umugore wagize umutima nka kinyamaswa ntabwo uba wumva ko mwabyaranye cyangwa wumva ko wamukuye waba ari umukobwa ahubwo ni ukuvuga ngo uba wahindutse mu bitekerezo iyo ujya gufata uwo mwanzuro ntabwo uba ukibona ko ari umuntu ukabone nk'uko bamwe bahuza n'uburakari ugasanga yishe nk'umugore we kandi barabyaranye iyo byose nk'iyo namukubitaga bwa mbere mbese bitangira nageraga nko mu rugo nagera nko mu rugo ati wirirwa wicaye ku muhanda ntugira ico winjiza nagira na shaho kumukubita nk'urushyi ubwo ni amakimbirane akiruka ugasanga umwana wanjye ugasanga arayandirana tukibukiranya kuri seritifika twahawe n'uyu muryango twagiye tuzishira hanini cyane nko kuri Salamanje aho turira ubwo ni ukuvuga ngo mbese ni nk'urukingo cyangwa si nabyita nk'igihango se vuta ifatanyije na guverinoma y'ubumwe yaduhaye yo kugira ngo icama kimbirane mu mago di Rwanda on était en train d'élaborer la loi sur le génocide, la loi organique sur le génocide. Certaines de ces femmes, bien sûr activistes, ont combattu pour que les acteurs de viol qui étaient catégorisés à la quatrième catégorie ont pu passer à la première catégorie. Immaculée le sait bien parce qu'elle est parmi les femmes qui nous ont aidés. Alors il y avait la première catégorie, c'était les gens qui avaient sensibilisé les autres qui avaient vraiment conçu l'idée du génocide et les gens que j'appellerais les forgerons du génocide. La deuxième catégorie, c'était des gens qui avaient été très actifs dans les tueries. La troisième catégorie, c'était des gens qui avaient manifesté l'intention de tuer, mais qui n'avaient pas pu le faire, mais qui avaient blessé les gens, ainsi de suite. Et la quatrième catégorie, c'était des gens qui avaient pillé les biens des autres et qui avait violé les femmes. Dire qu'on a violé une femme, mon Dieu, c'était pas vraiment un crime comme tel, parce que c'est quoi, au moins elle... D'ailleurs, c'est ce qu'on nous répondait. Je me rappelle quand je suis allée voir les parlementaires, en leur disant que c'était un scandale, ils m'ont dit, mais au moins, on les a pas tués. Vous comprenez? Je me rappelle, ces femmes parlementaires nous ont dit, on est de votre côté. Si c'est nécessaire, nous allons faire de Kigali une ville morte, mais cette loi ne va pas passer. Et c'est comme ça que les gens présumés de viol pendant le génocide ont pu passer de la quatrième catégorie à la première. Et ce fut une victoire pour nous. Mais ce n'était pas fini. Il y avait aussi le tribunal pénal international pour le Rwanda, basé à Arusha. Là aussi, ça n'a pas été facile. La plupart des femmes de Sevota vivent dans des villages. Et pour elles, monter à la capitale, c'est déjà tout un périple. Elles ont quand même eu le courage de témoigner devant les tribunaux internationaux. Grâce à notre bravoure, la loi internationale a changé et les viols de masse sont maintenant considérés comme un crime contre l'humanité. Mais ça continue. Au Darfour, au Congo, il faut en être conscient. Kugeza uyu munsi ndabashinja sinjye ntinya niyo waburi general mfa kubona narakubonye ntago naguhishira bituma rero ngira umutekano mukeya ndacya ba mu basirikare nsangana ibibazo ariko na n'uyu munsi urukiko baracyanyitabaza ndacyakurikirana sinzi niba nshobora no kubibereka kuko njye nabo njya mbitinya ubundi kuko urumva we yagiraga gutya
akagira cyo akicara tuvuge gutya karambya yiyambuye gutya ipantaro nayiriho noneho jyewe akamikiza amacyo guturuka nka hariya nanjye nambaye ubusa akambwira ati wowe ukurure uze unyishyireho yabaga afite pisto akuramo pisto imbunda yatumbwira ati ndahita nkurasamo ndabyemera ndemera ndashinyiriza njyaho ubwo ni ukuvuga ngo isaha yose amezi yose twamaranye nakugashinyaguro ku buryo nagezeho numva ibyo bintu birandenze numva neza niyo imana yazambwira ngo uzabiceceke ntabwo nabiceceka nabivuze ku mugaragaro nagiye mu rubanza rwa Canada ndabivuga barahahamuka numva ahantu hose nabivuga kuko mba numva ari ibintu by'indengakamere ariko iyo ndebye ubungubu kugeza ubungubu twarakora ibyo nkareba uburemere babiha mbona simbizi mbona batabifata nk'aho ari ibintu bikomeye cyane cyane ingaruka zabyo ingaruka dufite ubungubu uyu munsi izo zirarenze elles ont compris que notre force serait d'être ensemble en tant que femme pour revendiquer nos droits en tant que femme que le génocide a eu lieu, c'est vrai. Ce qui s'est passé, c'est passé. On ne peut plus faire un pas en arrière. Mais il faut regarder maintenant l'avenir. Et cet avenir, on doit le regarder ensemble en tant que femme, en tant que groupe vulnérable, en tant que groupe victime de toutes sortes de violences. C'est ce groupe qui doit s'unir et se lever comme un seul homme, une seule personne, pour dire assez, c'est assez. Cécile Cria a eu de grandes avancées ici et connaît un exemple pour la région. Mais il y a beaucoup de choses qui restent tabous pour nous autres les femmes. Faire du vélo, fumer une cigarette, monter à moto, ce n'est pas l'affaire des filles. C'est comme ça dans notre culture. Mais ça va changer. Regardez les femmes tambourinières d'Outaré. Le tambour, c'est un instrument masculin par excellence. Celui de la guerre et du bruit. C'est un symbole fort quand ces femmes jouent du tambour. Turi kumwe n'abagabo tuba twumva ko tugiye kurwara n'intambara kubera abagabo bafite imbaraga nyinshi abagore tukaba dufite imbaraga duke tubaraga duke ariko n'ukuntu tuba twambaye n'ukuntu namurare tuba dufite iyo kintu dutsindisha abagabo abagabo baha bavuze ingoma pe nta n'umuntu wabarusha akurusha ariko ubu noneho twe abagore b'ibutare twaje ewana ari akarusho twaje dufite imbaraga zikabije cyane nawe niyo batubonye baratinya bakavuga ati bara abagore bibutare nago turi bubakire bakahita bapfuba bakajya hasi ubwo ubaga dushyira hejuru nyine tukagenda Good morning, everyone. My name is Hope Kwizera. I graduated
in Harvard Advanced Economics. I did an internship in the Fukushima disaster area. I was the personal assistant to Senator Obama in 72. And in 10 years, I intend to be the next president of the United States of America. I'm sorry, what? I got the job? Yes. You got the job. Kids, I'm home! Daddy! Je peux vous expliquer. Je te jure, je peux vous expliquer. Est-ce que vous savez ce qu'un homme est obligé de faire pour avoir un boulot dans ce pays? Non, mais sérieux, Muraseka. Je suis allé là-bas, j'étais un homme, ils ont dit non. Je suis allé là-bas, j'étais un homme avec une licence, ils ont dit non. J'étais là-bas, avec, je suis un homme avec un master, ils ont dit non. J'arrive, je suis une femme, ils disent oui. Et je viens de signer un contrat de 5 ans. Ça veut dire que je serai habillé comme ça pendant 5 ans. Ce string est en train de me tuer. Les talons, j'ai même pas essayé, c'est une invention du chétan, ça. Mais si ça continue comme ça, dans 2 ans, moi j'ai des règles douloureuses. Comique femme. Comique femme, ça veut dire une femme seule sur scène qui fait marrer les gens. Chez nous, une femme, une fille, c'est plus genre « sois belle et tais-toi ». Ça, c'était ça à l'époque. Mais c'est en train de changer tellement vite, mais le théâtre, c'est encore le seul endroit, le seul domaine où on a encore du mal à prendre une fille et de la mettre sur scène et qu'elle fasse marrer tout le monde. Je suis sûr qu'il y en a des centaines qui veulent le faire. Mais il y a ça, il y a aussi le fait que soit il y aura un mari, un parent, un frère, tu ne seras pas d'accord. Faire du stand-up pour une femme, ça veut dire travailler la nuit, avec tout ce que cela implique en cliché, machin, tout ça. Donc je comprends pourquoi elles essaient d'éviter ça pour le moment, mais ça va changer très vite. Mais dans l'administration, on a de plus en plus de femmes, et il y a beaucoup de postes, on est clair avec toi, qu'on veut une femme. Moi, les femmes dont je parle, elles ne sont pas secrétaires. Hein. Elles ont des secrétaires. Parce qu'on est dans cette phase-là, justement. On est à la plus grosse représentation parlementaire féminine au monde. On est dans tout une vague, un concept de women empowerment et de renforcer les pouvoirs de la femme. Vous connaissez Darwin? La théorie de l'évolution de Darwin? Ce connard, si je l'attrape, moi, je l'en colle. Darwin, il dit qu'à l'époque, on était des gorilles. On était comme ça. Des putains de macaques. Comme ça. Et après des millions d'années, on a grandi, on est devenus des hommes. Au Rwanda, ils ont lu ça mal. On a pris un petit shortcut. En 10 ans, les hommes sont devenus des femmes. Sérieux? Mais j'ai pas le choix, c'est comme ça. Mon père, il me disait à l'école, fils, un homme doit faire ce qu'un homme doit faire. C'est ça ma vie aujourd'hui, ne rigole pas. Un homme doit faire ce qu'un homme doit faire. Après 94, sont chefs de famille et qu'elles doivent élever pas seulement leurs enfants, mais aussi des cousins, des neveux, des frères, des trucs comme ça. Et qu'elles prennent tout ça en charge, qu'elles ouvrent des orphelinats. Après qu'elle se lance dans le business, ça, petit à petit, ça vient, ça grandit, et c'est une responsabilité qu'elles ont prise avec force, mais vraiment le taureau par les cornes, elles l'ont bien fait. Ça a été super bien fait. Et de fil en aiguille, ben, l'ambition, c'est quelque chose qui grandit. Je veux dire, quand tu réalises que, même pour moi, même pour n'importe qui, quand tu réalises que tu as de plus en plus de choix et de plus en plus de potentiel, et que tu réalises quel potentiel tu as, c'est clair que... Je sais pas à quel niveau, je sais pas où sont les hommes maintenant, mais bon, les femmes sont présentes, elles restent. Mais il y a encore des coins dans ce pays, dans la région, dans ce continent, où bah, la femme, elle est encore au niveau de la cheville du mari. Et c'est là sa place, et elle le sait, et c'est comme ça. Parce qu'on change pas une mentalité pareille en 10, 15 ans, 20 ans. Ça prend encore des années et des années. Parce que la plupart du temps, dans ce genre de coin, les femmes se freinent elles-mêmes encore, tu vois. Une femme qui se rebelle,
ça fait beaucoup plus d'impact qu'un homme qui le fait. Donc je pense que quelque part, ça, ce cliché encore là, de la femme qui doit, beaucoup plus que l'homme, se respecter, être carré, bien parler, ne pas élever la voix, ça reste encore, tu vois. La femme qui parle pas, qui est silencieuse, qui pète pas un mot, qui... Non, c'est pas pour moi en tout cas. Je veux quelqu'un qui s'exprime, qui me parle, qui me contredit, qui a un point de vue, nom de Dieu. Tu vois ce genre de truc, c'est plus attirant, je pense, qu'un habit ou qu'un maquillage ou qu'un cheveu ou je sais pas quoi. Moi, je trouve que c'est ça. C'est ça les personnes que moi, je fréquente, que je trouve attirantes, que je trouve sexy. C'est une femme qui est belle, qui se sent l'âme d'une femme indépendante, qui le montre et qui te dit, ben voilà, tu dis quelque chose, mais moi je dirais le contraire, et puis on va débattre, et puis si t'es pas d'accord... Vous savez, il y a pas très longtemps, une jeune fille de votre âge ne pouvait pas dépasser 18 heures sans rentrer à la maison. Ah ouais. Ça, c'était seulement réservé aux garçons. Du moins, dans notre jeunesse, c'était comme ça. Hein. Oui. Maintenant, vous êtes là, vous parlez à la radio. Une fois, on a fait une étude pour voir pourquoi il y avait très peu de femmes dans le monde des journalistes. Et vous ne savez pas ce qu'on nous a répondu. Moi, je suis tombée des nues. Parce qu'on a dit, écoutez, d'abord, les journalistes parlent en public. Ce n'est pas beau pour une femme rwandaise qui se respecte. Et puis, en plus, elle peut rencontrer des gens, elle peut faire des rencontres dans des bars, et dans des restaurants. Donc, tout ça, ce sont des comportements des prostituées. C'est ça qu'on disait. Alors, vous comprenez, maintenant, c'est fini tout ça. Vous voyez Miss Chanel, qui va là, qui chante, qui s'éclate, et personne n'est choqué, n'est scandalisé. Ouais. On l'acclame, on l'applaudit. Je suis Guitarama aujourd'hui. Je suis venue voir les femmes Batois. Les Batois, ce sont, selon l'histoire, ils disent que c'est les premiers habitants du Rwanda. Mais pour moi, ce sont des gens très talentueux. Surtout dans la poterie et dans la musique. Alors je suis venue m'inspirer pour mon prochain album. Par contre, ça, ce sont mes habits de la capitale. Bon, comme je viens voir des femmes, des vieilles femmes au village, je dois me changer. J'ai une couturière qui m'a fait une robe entre tradition et moderne. Chanel, c'est notre Madonna nationale, à la radio, à la télé, elle est partout. C'est la star rwandaise de sa génération. Elle incarne ce que nous espérions, ou plutôt ce dont nous rêvions, quand nous n'étions encore que ni poignées à nous battre. Elle s'affiche en public, sans mari, sans manager, libre comme l'air, autonome et indépendante. Sitare mama, oh.
Quand je le vois chanter, je me demande à quoi elle pense au fond d'elle-même. Je me demande si elle aussi se sent responsable d'une génération. Si elle se rend compte qu'elle est la porte-parole des espoirs que nous avions. Ah oui, c'était très bien. Ça fait plaisir de... Quand partout tu vois, il y a des gens qui connaissent tes chansons, c'est bien. Ça donne l'envie et le courage de continuer encore et encore. Comment gagner les années? Je dirais que tu m'as donné la vie. Oui. Des deux devanches pour soulager les veuves et victimes de viol pendant le génocide.
Ce dos de vache symbolise la richesse. Elle souhaite aux femmes d'être riches, de travailler, d'être riches. Mais aussi, ça symbolise la santé. Parce que le fait de boire du lait, ça permet aux personnes malades d'avoir une bonne santé. Surtout que la plupart de ces femmes-là sont séropositives. Et que les enfants aussi, des fois, ils sont mal nourris. Et avec le lait de vache, ils vont bien se nourrir pour avoir une bonne santé. Mais surtout, c'est pour la richesse parce qu'ils vont recevoir du fumier. Et avec le fumier, ils vont produire plus. Et comme ça, ils auront le droit socio-économique. La vache est un symbole de pouvoir, de prospérité, d'abondance, ce qui n'était pas permis à la femme de cette époque. C'est-à-dire que l'affaire d'échanger les vaches, c'était entre les hommes. Alors maintenant, les choses ont changé bien évidemment. On parle de la femme en tant que citoyenne, en tant qu'actrice du développement. Donc c'est comme ça que maintenant, les femmes sont en train de donner les vaches, mais aussi de recevoir les vaches. C'est très important et c'est très symbolique. Et même pour le changement des mentalités dans notre culture. Donc cette action qui vient d'être faite, c'est vraiment l'un des exemples de changement de comportement formidable. Oui, on vient de me donner une vache aussi. L'objectif à ces votants, c'est d'abord de permettre aux femmes de vivre dans des conditions décentes. C'est bien beau de parler des droits fondamentaux, mais si toi, le ventre vide, tu restes dominé. L'indépendance, ça passe aussi par l'autonomie. Mais mon travail, si on peut appeler ça comme ça, c'est avant tout de prêter une oreille amicale. Ma contribution, c'est peut-être tout simplement de les avoir rassemblés. La lionne, c'est elle qui fait les enfants, c'est elle qui garde les petits lions et c'est elle qui chasse. Pourtant, le lion, c'est lui qui mange le premier, c'est lui qui mange tout. Est-ce juste et pourquoi? Hey.
Rwanda rwese imihigo yembe Uringo biteshe mabuhetse Yaguhanze ntiyaguhinze Nabahanze ibyo arabizi Yaragutanaze ngo udasunga Gahoro ganze rugero rwizwe Rwanda rwabyaye Gahorane tuze n'amahoro Urwanda rwana rwagimete Ntugatsitare mabuye Ntugatsitare mabuye Rwanda rwabyaye Gahorane tuze n'amahoro Ugatsitare mama we Yugo bigiraho guhanga Urwego rwibarutse birunga Mudashyikirwa nyir'ibishanga Ibiyaga byawe biragutatse Biraro génocide, il y a eu 250 000 viols. Les trois quarts des femmes de mon village ont été violées. Et c'est comme ça dans la majorité du pays. Dès l'année suivante, en 1995, j'ai décidé de les aider. Je m'appelle Godelive Mukasarasi et je continue encore aujourd'hui. Ibisanzwe nk'aba tudahuje ikibazo tuganira ibisanzwe keretse kubo duhuje ikibazo Au cours de cette année, nous sommes en train d'encadrer une centaine, 106 femmes. Les autres vont faire leur parcours psychologique l'année prochaine. Et parmi ces 100 femmes, 106 femmes, il y en a 40 qui ont été victimes de viol pendant le génocide. Et il y en a une de 10 qui ont eu des enfants nés de viol. Et donc, nous avons utilisé la danse et les chansons pour aider les femmes traumatisées à libérer les expressions négatives et à rentrer à la maison avec des expressions positives. Mais les pensées positives, ça leur permet d'avoir l'esprit sain dans un corps sain, comme dit la Bible. Sévota fut l'étincelle. C'est Sévota qui est la première en tant qu'organisation à briser le silence, à dénoncer le viol. Et les autres femmes, petit à petit, ont compris que ce n'était pas une tare, qu'elles n'étaient pas marquées au fer rouge, qu'elles pouvaient donc aussi passer. C'est mon école à ma gomme.
J'ai fondé l'association Sevota en décembre 1994 pour aider les veuves et les orphelins qui ont souffert de violences pendant le génocide. Avec Sevota, je leur ai un peu redonné une famille. Kenshi kuba mu ishyirahamwe ubundi mu rugo ku giti cy'umuntu no mu rugo turakora ariko kuba turi hamwe byatumye twumva ko ubuzima bugomba gukomeza umwe yareba undi akabona nta kibazo afite yamubwira ku buzima bw'abandi bantu bagenda bahura kenshi ugasanga natwe uko turi tugatekereza ko ubuzima bwacu bugomba gukomeza bigatuma twumva ko tugomba gukomera mbese mu buzima bwacu uko buhagaze ubwo rahanini icyo kintu cyo kwishyira hamwe cyo rwose ni ikintu gikomeye kuko cyagumye kudusubiza mu buzima busanzwe n'uwabaga yihebye ku buzima bwe bigatuma abasha kongera kugaruka nyine kuganira turaganira ariko tuganira bisanyurandagira aramfashije ndasindagira Oye rekano twarise nakoze sone zina ryawe Genocide yabaye mbyaye kabiri ngo umwana wa kabiri apfana na se njye nsigarana n'umwana umwe sigara turi babiri ngo mu buhungiro twavuyeyo tugaruka hano hano iwacu mu Rwanda iwanjye ni haruguru aha hafi gato baza kumurira ihohoterwa kuko icyo gihe hariho Jenoside yuko Abanyarwanda bavugaga ngo reka barebe ko nibwo bambwiye bati waranduye ubwo nagiye kwipimisha muri ubwo bampimye muri 2002 barambwira bati waranduye ndabahakanira ntabwo nti mu buzima bwanjye sinigeze mbe ndaye nashatse umugabo umwe dutandukanwa n'urupfu abana twabyanye ni babiri umwe apfanye na se mfite undi uwa kabiri ni uwo mwihohoterwa ndamufite w'umukobwa iyo sida nayikuye twarindwa iyo mwana nashatse no kuyikuramo njyewe ariko biranga njya mbona n'umwana wanjye afite ibibazo nkavuga nti njye wabimuteye kuva iyo saha kugeza n'ubu umugabo nahise mutinya nahise nanga uretse ko nta mwana nta kwanga bose On est mardi aujourd'hui et comme tous les premiers mardis du mois, je vais au marché. Je dois préparer la réunion de mon association. Des nouvelles femmes sont venues nous rejoindre et je vais leur organiser une réception chaleureuse. Il faut prendre des forces car j'imagine qu'on va encore beaucoup danser. C'est notre manière à nous de nous reconstruire. Abakozi cyane. Abakozi cyane.